les poils partout sur ses tableaux. C'est normal, il peint des animaux. Il y a aussi des poils au bout de ses pinceaux, qu'il étale sur ses toiles tendues comme des peaux. Qu'il étale sur ses toiles tendues comme des peaux. En aquarelle ou au pastel, ils sont tous si fragiles. Peinture à l'huile, peinture à l'eau, ils sont tous aussi beaux. Y'a des plumes partout dans ces images qui allument notre envie d'être sage. Du bout de sa plume naissent des paysages, de l'écume, de la brume, des pelages, des plumages. De l'écume, de la brume, des pelages, des plumages. C'est tout un art, toute une histoire de se donner ainsi. C'est par magie, pas par hasard, qu'il leur donne la vie. Y'a des yeux toujours dans sa peinture, lumineux, si limpide et si pur. De ses propres yeux, il croque les créatures. Chaque jour si curieux d'aventure de nature. Chaque jour si curieux d'aventure de nature. Dans ses regards, on peut y voir toute la liberté. Tant de tendresse, tant de sagesse et tant d'humanité.